Bonjour à tous, entrez, venez faire Shavada avec nous. La chanson française est riche et pleine de surprises et chantée par nos invités. Elle prend une nouvelle allure et elle est d'autant plus intéressante. En plus, Jacques Pessis, bonjour Jacques, va nous raconter l'histoire de toutes les chansons françaises. Et vous allez voir comment la chanson peut parfois aussi accompagner l'histoire, la vraie, celle de la France. En particulier avec des petites pépites introuvables que Nathalie Lhermitte va nous faire découvrir. Elle va arriver tout à l'heure, ainsi que Alexandra Baldé qui viendra pour toutes les nouveautés de la semaine. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Yves Duteil, bonjour, qui va interpréter Polnareff pour nous. Thomas Dutronc, bonjour, qui lui va nous faire redécouvrir des chansons des années 30, c'est-à-dire... ta jeunesse, en gros, avec en particulier celle de Mireille et Jean Nohain. Et puis Amandine Bourgeois, bonjour, qui, elle, a choisi Bachung aujourd'hui. Alors, c'est vrai, c'est toujours intéressant de voir les choix que vous faites. Yves, j'ai été surprise de ce choix de Polnareff. On se disait, Yves Duteil, il va choisir soit Brel, soit Barbara, quoi. En fait, j'ai voulu justement surprendre un peu, mais c'est beaucoup moins surprenant qu'on le croit, parce que Polnareff a commencé... à écrire et à produire des chansons au moment où moi je commençais à jouer de la guitare. Ce qui fait que les premières chansons que j'ai jouées, c'était celles de Polnareff. Ah, mais tu parles de Michel Polnareff ou de Polnareff? Michel. Ou de Georges Polnareff. Paul. Un journaliste l'a appelé ainsi un jour. Amandine, est-ce que Polnareff, c'est quelqu'un que tu as écouté ou que tu as chanté? Chanté, non, mais écouté beaucoup quand j'étais petite parce que mes parents écoutaient. Et oui, désolée. Oui, je suis la plus jeune, oui, peut-être. C'est normal. Ici. Ouais, sûrement. Donc ce que j'écoutais en boucle, c'était Marie-Lou. Ouais. Voilà, mais je comprenais pas vraiment le sens de la chanson, mais j'y allais, quoi. Je chantais ça à tue-tête dans ma chambre et c'était cool. Tu parlais du sens de Marie-Lou que t'as pas compris. Et c'est quoi en fait le sens de Marie-Lou? Je connais Marie-Lou. Quand je tape sur le clavier. Sous la neige de Gainsbourg. Quand je tape sur le clavier. En fait, c'est un truc hyper sexuel. Voilà. En fait, je suis désolée. C'est. Ah bah non, moi ça me plaît. Tu sais. Je tape sur le clavier avec mes doigts. J'enfonce la touche. Je me crois en fait. Quand je tape Marie-Lou, en fait, aussi. Quand je me tape Marie-Lou. Quand je me tape Marie-Lou. C'est une métaphore entre le piano et Marie-Lou, c'est ça? Non, entre le clavier de l'ordinateur entre le clavier et qui chatte avec... Oui. En fait, il chatte avec Marie-Lou par ordinateur. Et... Il n'est pas si vieux que ça, alors, Polnareff. Alors, le premier titre que tu as choisi... Vous pouvez couper au montage. Non, 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 pas du tout. On garde tout, hein, je vous préviens, même les faux départs de guitare et tout ça. Amandine, la première chanson choisie par Yves, c'est « On ira tous au paradis ». Je pense que tu la connais aussi. Si tu as envie, tu chantes avec lui. Carrément. Et je pense Thomas, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, on ira tous au paradis. Tout le monde peut chanter. Allons-y. On ira tous au paradis. Mène-moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. On ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni. Et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Jacques, cette histoire, elle est très conviviale, en fait, hein, l'histoire de « On ira tous au paradis ». Oui, parce que Michel Polnareff part du principe que pour une chanson soit véritablement populaire, il faut que, dès le départ, elle soit chantée par le public. Alors que fait-il? Il passe une annonce à la radio en demandant à des choristes amateurs de venir enregistrer avec lui cette chanson au studio. Il y a 200 personnes qui se retrouvent dans une salle de cinéma transformée en studio
Polnareff fait répéter ses cœurs d'un jour. Michel Polnareff fait répéter ses cœurs d'un jour. Et sur le disque, ce sont des choristes amateurs qui sont tous repartis avec, en guise de cachet, un autographe personnel de Michel Polnareff. C'est incroyable. Et donc, ils sont, enfin, sur le disque aujourd'hui, ce sont toujours des anonymes qu'on entend. Les mêmes cœurs amateurs du début. Alors, deuxième chanson choisie par Yves, Tatatata. Je ne sais pas si vous la connaissez, Tatatata. En tout cas, quand on entend le titre, on a l'impression qu'on ne la connaît pas, mais vous allez voir, c'est aussi un tube de Polnareff. Je te dis, mon ami, pourtant, quand tes yeux rencontrent les miens, j'ai des remords, je me sens malheureux, mais je n'y peux rien. Femme que j'aime, c'est Tatatata. Femme que j'aime, mais ça n'est pas toi. Femme que j'aime, c'est ta 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 ta. Femme que j'aime, mais ça n'est pas toi. Je connais l'histoire de cette chanson, c'est qu'il lui manquait en fait l'idée pour le refrain, puis en fait il a laissé ta 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 quoi. Oui, mais cette chanson a été créée en 1960. C'est un peu comme Shabadabada. Je peux dire, ce que j'ai vécu avec cette chanson, c'est qu'un jour j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'avais pas compris. Et en fait, il faut pas commencer par femme que j'aime, c'est ta 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 ta. Il faut commencer par c'est. C'est ta femme que j'aime et ça n'est pas toi. Et ce que toi tu prends pour une chanson qui te plaît bien, c'est un aveu tourné à ma façon et tu n'y comprends rien. Femme que j'aime, c'est ta 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 ta. Femme que j'aime, mais ça n'est pas toi. C'est pas mal, c'est j'aime la femme de mon meilleur ami, quoi. C'est Tatienne, en fait, le tatatata. Voilà. Et cette chanson date de 1967. Il l'a créée à l'Olympia, c'était son premier Olympia, où il passait en première partie des Beach Boys, Michel Polnareff. Et à l'époque, il avait une peur panique du public. En sortant, il courait comme un fou, donc les fans le poursuivaient. Et un jour, Mick Jagger lui a dit, écoute, arrête ce truc-là, ça ne marchera jamais. Marche le plus lentement possible et tu verras, on te fiche la paix. Et depuis, Michel Polnareff n'a plus jamais été ennuyé par ses fans. En tout cas, Michel Polnareff, il a quand même toujours eu un sens inné du marketing parce que les lunettes, dès qu'on voit des lunettes blanches, des cheveux, on sait que c'est Polnareff, bien sûr. Et au début, c'était les cheveux longs. Et les cheveux longs, ça a fait parler la France entière parce qu'au début des années 60, les cheveux longs, ça ne se faisait pas. Et donc, on a retrouvé une des premières télés de donc, ce fameux Polnareff. C'est sa première télévision, le 7 mai 66. Et qui c'est qui l'interroge ? Un journaliste qui s'appelle Franz Priolet, totalement oublié aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Regardez. Eh bien, nous allons maintenant voir un garçon qui a les cheveux longs. Il s'appelle Georges Polnareff et il m'a confié que ses cheveux avaient mis un an à pousser pour les avoir jusque-là. Alors voilà une chose que nous savons maintenant. Les journalistes disaient que physiquement il ressemblait à Françoise Sagan, il était coiffé comme elle. Mais là il n'avait pas les lunettes encore, c'est venu après en fait. C'est venu après les lunettes. Sa permanente et ses lunettes. Absolument, un peu plus tard. Là, c'était encore Françoise Polnareff. Trouver notre fil conducteur là, je crois. C'est ça. Jacques, moi avant je croyais que les chansons au début du Gaufret s'appelaient Hugo. Voilà, il y a aussi. Et Polnareff, alors comme toi, il a participé à une sorte de radio-crochet, enfin c'était un concours de chansons, c'était la Rose d'Or d'Antibes. Avec quelle chanson ? Alors, la chanson était une chanson tout à fait nouvelle. Dans le même concours, il y avait Michel Delpech, Michel Sardou inconnu avec le visage de l'année, Alice Donna et Polnareff. Il se met au piano à Antibes et il commence à jouer Love Me, Please Love Me. Et dans la salle, il y a ceux qui adorent, qui applaudissent, et ceux qui hurlent, va te faire couper les cheveux. Et il va être éliminé.
et c'est Jacqueline Dulac qui va remporter la Rose d'Or avec Ceux de Varsovie. Bon, elle va vendre quelques disques, mais Love Me Please Love Me éliminé va être le tube de l'été 66. Love me, please love me, je suis fou. Pourtant, votre lointaine froideur déchire mon cœur. Love me, please love me, je suis fou de vous. Mais vous, vous moquerez-vous toujours de mes larmes d'amour. Thomas, alors je sais que tout à l'heure tu vas rendre hommage à Mireille, Mireille et Jean Nohain, donc les chansons des années 30. Ouais, on voulait parler un petit peu des années 30. Ouais. Moi, étant jeune, ouais, forcément, j'ai écouté un peu de musique des années 60, même un petit peu de Polnareff, même aussi. Beaucoup de rock, de plein de groupes américains, tout ça. Évidemment, 70, j'ai découvert plein de choses. Bon, les années 80, c'était mes années. Et puis, un jour, j'ai découvert Django Reinhardt à la guitare, et c'est vrai que du coup, ça m'a intéressé à toute cette période des années 30, les années folles, où il y avait une espèce d'énergie, une folie. Les gens avaient souffert à fond de la guerre de 14. Et de la crise de 29. C'est l'époque de... Voilà. Alors cette chanson Nasdaq, elle raconte bien l'époque là, que nous vivons en ce moment, avec toutes ces histoires de bonus pour les traders et après cette crise, pendant cette crise, je ne sais pas si on en est sorti. Bon, tu as vu, je ne prends pas non plus ça très au sérieux. Non, c'était... mais en même temps, en fait, on au début, c'est une jolie mélodie. C'est une jolie mélodie du bassiste, Jérôme Tuozzi. Et j'ai essayé de faire un texte joli au premier degré, une espèce de balade romantique, et puis j'ai jamais réussi. Et puis un jour, en écoutant les infos comme ça tout le temps, je me disais, tiens, ces mots Nasdaq, indice Nikkei, Dow Jones et tout ça, c'est des mots rigolos, je les avais pas entendus dans une chanson. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Puis en fait, voilà, c'est tout. Mais j'ai pas de solution à proposer, hein. Pour l'instant, j'ai rien d'autre à proposer à part ce qu'on a. Donc si tu veux, ça reste léger. On va écouter les paroles avec beaucoup d'attention. Nasdaq, allez. Extrait de l'album de Thomas Dutronc. L'album s'appelle comme un manouche, sans guitare. Et cette chanson s'appelle Nasdaq. Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, dans mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé. Dans des hôtels et des cocktails, ma vie est belle. Je n'ai plus de coffin, je n'ai pas de chien, même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute, j'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse, mais pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible. Un peu de vent dans ton corsage, je t'imagine sur la plage. Elle devient toute folle de mon or, je suis trop fort. Allô, Jean Edmond, comment tu vas? Écoute, super, nous, tu sais, l'année dernière, on a fait d'énormes bénéfices. Donc on a été obligé de licencier, ouais. Et toi, t'es ruiné? Ah, crotte, c'est ballot. Allez, salut. Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur, j'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'ai ma peau d'or.
une vache à lait. Mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Je suis pas un Nasdaq. De bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie. Ma montagneur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas Nasdaq. Dac. Thomas Dutronc, il a un bon fonds. Un bon fonds d'investissement et de bonnes actions à 20%. Je pense qu'on peut investir dans ce disque et ce jeune homme. En tout cas, je pense que dans quelques années, si on écoute cette chanson, on aura un peu de ce qu'étaient ces années 2008, 2009, peut-être 2010. Et c'est vrai qu'on aime bien dans Chabada regarder comment les chansons françaises peuvent raconter l'histoire. Et je vais vous demander tout de suite d'accueillir Nathalie Lhermitte qui vient avec une petite pépite des années 30, justement. Nathalie. Nathalie Lhermitte, qui est la complice sur scène de Jacques Plessis. Très bientôt, ils vont chanter Brel au De Jazé. Et Nathalie, alors, elle connaît plein de chansons assez rares. Celle-ci, moi, je ne la connaissais pas du tout. Et ça s'appelle justement « La crise est finie ». Et elle date de 1935. Alors, il se trouve qu'il y a eu la crise de 1929 à New York, qui s'est transformée en crise financière en France en 1931. Et puis, il y a la Troisième République, où les gouvernements changent tous les deux mois. Il y a l'affaire Stavisky. Et au milieu de tous ces drames, il y a un film, l'un des premiers films chantant et parlant, c'est comme ça qu'on appelle les comédies musicales, et ce film est un véritable triomphe, et ça s'appelle « La crise est finie », et il y a une chanson qui, on espère, est toujours d'actualité. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, crions-le bien fort. Les jeunes et les vieux jusqu'au pépé chanter joyeux tra-la-la-la-la et répéter en chœur. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. Ouais, voilà. Pour toi, Thomas, un petit cadeau de Nathalie, la crise est finie, c'est un peu la méthode Coué. Hein, c'est, À l'époque, il y avait aussi Tout va très bien, bah oui, madame non, la marquise. Et ça c'est vaut mieux que l'attraper la Scarlatti. Voilà, toutes ces chansons, c'est une façon de se consoler. Voilà. Aussi, non, quand on se promène au bord de l'eau, c'est sympa aussi. Ouais. Premier congé payé et tout. Ouais, c'est vrai, ça. Alors, la crise, toi, en tout cas, tu ne l'as pas connue cette année avec cet album déjà vendu à 500 000 exemplaires, la tournée qui cartonne, et puis le DVD live de Comme un manouche sans guitare qui sort bientôt. Et je vous propose de regarder un extrait de ce DVD. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça, je ne connaissais rien. Bonjour, j'ai changé tout d'un coup. J'ai tout oublié, tout oublié. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone et vivre comme les nains. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Merci. En fait, alors on est en plein montage, on n'a pas fini, donc on a vite fait, on a sorti quelques images vite pour en faire la promotion, mais c'est un DVD qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on défend un spectacle un petit peu différent comme ça depuis 3 ans. Et bon, là, c'est pas étalonné, là, donc l'image va être plus jolie. Je pense que si on veut faire une prochaine bande-annonce, on mettra plusieurs morceaux aussi pour pas mettre, parce qu'il y a plein d'ambiances complètement différentes. Amandine, qu'est-ce qui te fait rire? C'est son côté perfectionniste. Ouais, perfectionniste. C'est vachement bien déjà, c'est bien. Bah ouais, non, c'est sûr, c'est rigolo. C'est marrant, non, je pense qu'on voit qu'il se passera des trucs dans le DVD, mais il y a plein de trucs. Et à un moment, t'es tout nu, non, sur scène ou... Et à un moment, ça, c'était une idée, ouais, que je voulais. C'était que d'un seul coup, je voulais une image subliminale, si tu veux, où d'un seul coup, on jouait le même morceau tout nu, mais juste 2 secondes. Finalement, on l'a laissé un peu plus.
Yves, tu l'as écouté cet album de Thomas, comme un manouche sans guitare? En fait, on l'a écouté en boucle, je t'ai pas dit, mais on l'a écouté en boucle. C'est que les routes en Corse sont toujours un peu sinueuses. On met ça dans la voiture et on écoutait d'un bout à l'autre l'album. Donc, on a été complètement baigné par... C'est un album hors norme, je dirais. Ça part dans tous les sens, mais c'est extrêmement sympa. Merci. Surtout, ça nous a vraiment enchanté et bercé pendant tout l'été. Est-ce qu'il y a une chanson que tu écoutais encore plus en boucle que l'album? Oui. Un coup dans l'air, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens de cigale, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hello jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir j'ai un chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo, à toi. Là, c'est Bertrand Lévesque pour le riff. Et là, c'est Bertrand Lévesque pour le riff. Alors là, c'est parti. Mais tout en fait, c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer sous les étoiles. J'ai pris ta main, le monde est flou. Jusqu'à demain, je me jette à l'eau. Faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Un cadeau, un pseudo. Un mojito, je vais me coucher tard. Un mojito, je vais me coucher tôt. Merci Yves, petite surprise pour Thomas qui a démarré au quart de tour et Yannick, bravo Yannick qui a accompagné à la batterie, alors que c'était vraiment une surprise pour eux deux en tout cas. Alors Thomas, donc, qui sera, je vous le dis aussi, en live le 27 novembre au Zénith de Paris. Aujourd'hui, c'est Mireille, donc, qu'on va évoquer ensemble. Mireille, c'était dans les années 30, on l'a dit tout à l'heure. Comment elle est arrivée dans la chanson? Alors Mireille, on dit d'elle que c'est la mère de la chanson française. Elle s'appelle Mireille Artuche et elle est née à Londres. Elle a appris le piano à l'âge de 2 ans et demi et ensuite elle a débuté à Broadway. Et en 1935, Mireille est à Cannes. Elle rencontre Maurice Chevalier qui est au sommet de sa gloire. Et lui, je suis en train de faire une petite musique avec des paroles qu'on a mises comme ça avec Jean Nohain. Et Maurice Chevalier dit, c'est formidable, je vais en faire ma chanson d'entrée au Casino de Paris. Et cette chanson, c'est au départ des paroles vraiment inventées en quelques secondes pour rien, qui vont devenir définitives. On va croire que c'est un proverbe alors que c'est une chanson, et c'est « Quand un vicomte ». Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de vicomte. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme, qu'est-ce qui les charme? Des histoires de gendarmes. Chacun sur terre se fout des petites misères de son voisin du dessous. Merci. Voisin du dessous, c'est en bas, Nathalie. C'est au-dessous aussi, s'en fout. Alors Thomas, il aime énormément tout ça. Amandine, est-ce que ça te semble complètement ringard, toi, ces chansons-là des années 30 ou, quand tu les écoutes comme ça, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs de vieux? Daniela, là, tu parles de Mireille. C'est des trucs de vieux ou pas? Non, Mireille, quand même, c'est... Non, j'ai pas envie de dire ça, parce que respect, quoi. Voilà. Petit respect Mireille, le petit conservatoire. En fait, c'est comme l'accordéon. Par exemple, l'accordéon, ça peut être pris pour très souvent ringard et tout ça, les paillettes, le son. Mais c'est... Non, mais... Et c'est parce que Aurélien, souvent, c'est ringard, non mais parce que souvent, non mais parce que souvent, ah, c'est ça, ringard, souvent c'est devenu ringard. Enfin, souvent c'est devenu ringard, mais dans les années 30, c'était les voyous branché, et les manouches qui jouaient ça, et là ça rigolait pas quoi. C'était pas ringard. C'était mais pas après, ringard du tout, les choses.
Le rap dans 15-20 ans, je sais pas, ça sera bizarre, non ? Elle a touché à tous les genres, Mireille. Ah oui, en 1970, il y a un dessin animé à la télévision, et ça, je suis sûr, Daniela, que ça nous rappelle à tous des souvenirs. Non, moi, je connais pas. Moi, je suis comme Amandine, j'étais pas née. Voilà. Et c'est l'histoire d'un petit... Si, je connais Goldorak. Non, ça, c'est un petit ours qui n'arrive pas, qui veut chanter, mais qui n'est pas doué pour ça. Et comme Mireille chante, elle est professeure, elle écrit le générique de ce dessin animé aussi culte pour une génération que Nounours et Casimir, c'est... Collard Gol. C'est moi qui suis Collard Gol, l'ours qui chante à fin en sol, en deux dièses, en mi bémol, en gilet et en faux col. Le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un bon sifflet pour faire cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui. Nathalie Lhermitte, hein, qu'on peut applaudir vraiment et qu'on pourra retrouver bientôt, je pense, dans des boîtes de dessins animés. Le petit conservatoire, on en parlait avec Amandine, c'est quand même la première fois. Enfin, c'est vraiment... c'est le premier télécrochet. C'est oui, ça, c'est le premier télécrochet. C'est la première école de la chanson, ouais. C'est ouais. L'ancêtre de la Starac et de la Nouvelle Star. On lui propose un essai de 6 mois, il va y avoir 1248 émissions jusqu'en 1974, à partir de 1955. Et parmi les élèves du petit conservatoire qu'elle a formé, il y a Jean-Jacques Debout, il y a Pascal Sevran, il y a Pierre Palmade qu'elle a formé également. Ah, Pierre Palmade encore. Elle lui a appris à tenir un crayon dans la bouche pour ne pas bafouiller. Et puis je crois qu'il y a Françoise Hardy et un certain Yves Duteil qui a été élève au petit conservatoire. Petit Duteil, venez. Petit Duteil, faites-nous une bossa nova. Vous savez très bien faire ça. Faites-nous une bossa nova. Alors, elle voulait des chœurs, elle voulait des bossa nova et des duos. Et si je faisais pas ça, on passait pas à l'émission. Donc il fallait faire ce qu'elle demandait. Mais c'est vrai qu'elle nous a appris une chose essentielle, d'abord, c'est qu'on n'explique pas aux gens qu'on a mal à la gorge, qu'on n'est pas en forme, etc. On chante. Y a pas un, vous n'avez pas un petit écriteau sous la tête marqué « Excusez-moi, j'ai mal à la gorge ». Donc ouais, vous débrouillez. Elle était super dure, elle était beaucoup plus dure que Lio ou Sinclair. En fait, elle disait, de toute façon, c'est un métier où ils n'auront jamais personne pour leur dire des choses gentilles, donc autant vaut commencer tout de suite. Et justement, Yves, dans ces images, vous n'avez pas changé, en fait, depuis le petit conservatoire. Mettez-vous là devant le micro. Voilà, vous êtes tout nouveau dans la classe. Vous êtes là depuis 3 semaines, 15 jours, quelque chose comme ça, un mois. Alors, je ne suis pas encore habituée au nom. Je dis Yves. Oui. Qu'est-ce que c'est après ? Yves Duteil. Duteil. Je sais que vous avez 19 ans, bon, et que vous faites des études... Qu'est-ce de, que commerce, vous... des études de commerce, c'est ça. J'y ai trouvé très bien et rare de faire des rythmes de bossa nova. Il n'y a pas tellement de jeunes garçons qui s'intéressent à ça. Et moi, je voudrais que vous montriez la bossa nova exactement comme vous l'avez fait. Oui. Voilà. Voilà. Vous jouez la bossa nova comme à la classe, comme à l'audition. J'ai longtemps aimé la terre, mais je n'en ai plus que faire. Tout en elle me désespère, elle n'est que lutte, que guerre. Ce sont des bons souvenirs quand même ? Oh oui. C'est mes premières télés. Je hantais la maison de la radio et on attendait qu'une chose, c'était qu'elle nous demande de faire l'émission, qu'elle nous demande de passer une chanson. Il faut lui rendre hommage parce que même s'il était très dur, et c'est vrai qu'elle était très dure, eh bien, c'est quand même le point de rassemblement de tous les débutants à l'époque et on n'avait pas beaucoup de filières, mais il y avait celle-là. Pour démarrer. Et c'était extrêmement précieux. Tu avais déjà vu des images du petit conservatoire de Mireille, Amandine ? Oui, celle-là, je les avais non, vues. Non, c'est la première c'est fois, la première je crois. Fois. Ouais. Ah bon ? Et alors ? On voit que c'est vraiment une école. Avec, c'est vrai que Mireille a l'air très autoritaire. Attendez, elle t'arrête en pleine chanson, puis elle te dit « Mais là, on n'a pas bien compris le mot que vous avez dit, c'était quoi déjà ?» Articulé et tout. Et après, il fallait redémarrer. Donc, c'est très bien dans l'extrait. Ma mère a fait le petit conservatoire aussi, je crois. Et du coup, tout petit, j'ai des souvenirs d'elle comme ça, vagues. Et j'avais été voir son concert à Chaillot. Au Chaillot, pour ses 89 ans. J'avais été 2 soirs en plus, figure-toi. Et du coup, c'était bien parce que les 2 soirs, c'était complètement différent. Parce qu'elle oubliait, elle oubliait pas mal de bouts. Elle avait son secrétaire à l'époque qui était caché derrière le paravent pour lui souffler des trucs. Mais malgré ça, si tu as un souffleur de verre. Très âgé.
Je voudrais qu'on la voie justement, qu'on voit quelques images, puisque nous en avons grâce à Jacques qui les avait filmées à l'époque. Et moi aussi j'y étais à ce concert, c'était absolument incroyable. Et je voudrais qu'on voie le côté malicieux de Mireille, en particulier sur cette chanson qui est une chanson où elle se moque des rimes dans les textes. Tu t'en souviens ? Elle est vraiment très 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 jolie cette chanson. C'est Tant pis pour la rime et c'est Mireille. Je veux aimer ce soir un jeune homme aux yeux verts. Si ses yeux étaient noirs, ça ferait un plus beau vert. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je devrais dire les lèvres, mais d'un chacun son goût. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux le cœur en fièvre, l'embrasser sur les joues. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. Je devrais dire les mains, ça serait plus régulier. Tant pis si c'est un crime, je me fous de la rime. Je veux jusqu'à demain lui caresser les pieds. On a l'impression qu'elle fait na à la fin en appuyant sur la touche. C'était une mise en scène de Jérôme Savary à Chaillot à cette époque. Amandine, quand tu vois ça, une dame de 89 ans comme ça qui est... Ah, moi, je trouve ça super drôle. Je la trouve vraiment drôle, quoi. Parce qu'on l'a vue juste avant dans le petit conservatoire où elle est très rigide, très dure. Et là, très malicieuse. Plein de malice. C'était comme une petite fille et en même temps une très grande dame. C'est la première fois qu'on entendait aussi une autre chanson qui avait 9 fois la même note pour commencer. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Alors les gens disaient ça va jamais marcher. 9 fois la même note au début, c'est impossible. Ça a super pas marché en fait. Et puis ça a été un carton. Et vous qui partez en voyage, c'est une chanson que chantait Jean Sablon avec Mireille. Avec Mireille et qui voilà. Depuis okay. A été reprise par François Dardier et Jacques Dutronc. Ils l'ont chantée ensemble. Puisque vous partez en voyage. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Je veux sourire avec courage. Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand. Merci, merci à Nathalie, merci Yves aussi d'avoir démarré comme ça au quart de tour. Et puis, puisque tu disais que ta mère avait fait le petit conservatoire, tu en doutais tout à l'heure. Tu disais, je crois que ma mère a fait le petit conservatoire. Non, si, donc, je tu le sais suis quand sûr, même. Mais je sais pas. Enfin, j'ai vu comme ça des images des fois, mais je suis pas. Voilà. Je ne suis pas spécialiste. Et comme ils sont très forts dans l'équipe à Chabada, ils ont trouvé les images. Entre tout à l'heure et maintenant, ils ont les images de François Hardy. Non, mais franchement, c'est fort, je vous assure. François Hardy au petit conservatoire, ça, on regarde. Amandine, ça doit aussi te rappeler quelque chose, là, mais elle manquait beaucoup plus d'assurance que vous, je trouve, là, les nouvelles promotions des télécrochets, là, non ? Bah là, elle était en plein dedans, hein, je pense. Elle était en plein dedans, donc moi aussi, quand j'étais dans l'émission Nouvelle Star... Est-ce que tu penses que toi et tes petits camarades, vous aviez cette humilité-là, ou pas ? Je sais, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on est des générations peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'étais aussi timide dans le jeu, hein, je pense que j'étais comme ça. Je sais pas. Alors, je me suis pas revue. C'était spontané tout ou c'était un peu bidonné. Un mélange de spontanéité et de préparation, parce que ce genre de scène avait été répété. Ah ouais. Donc, alors vous allez d'ici, puis vous allez vous installer. Ouais. Alors tout le monde faisait un peu de bruit, faisait un peu comme ça. On faisait exprès pour faire la classe. C'était à moitié spontané, mais c'était. Alors bon, ça reste de la amateur, télé. Ouais. Alors ici c'est vraiment spontané. Je sais pas bien ce qui se passe en fait, parce que Thomas a fait venir quelques potes, à moins que ce soit des intermittents du spectacle qui veuillent passer un message. Je sais pas. Je vous assure, je savais pas. Donc je sais pas ce qu'on fait. On va vous mettre au violon là. Non, mais quand on parlait des années 30, j'avais envie d'inviter quelques amis qui jouent de... Mais fais comme chez toi, voilà. Thomas.
explique, nous, Thomas... Monsieur Costel, pardon. Qui sont-ils? Monsieur Costel Nitescu au violon. Bravo. Qui joue avec beaucoup de grands guitaristes manouches, dont Rocky Gresset, qui sort un disque là, fabuleux, et Angelo Debar aussi. Et, hein, et voilà. Et Chabolo Schmidt aussi, qui a joué. C'est des gens extraordinaires. Merci à vous tous. Et franchement, merci Thomas, parce que quand j'ai eu l'idée de cette émission de Chabada, j'avais envie que les artistes s'y sentent chez eux et improvisent et fassent ce qu'ils avaient envie de faire. Et je ne m'attendais pas à ce que ça soit, dès le début, aussi... c'est dommage que Rocky et Angelo n'ont pas pu venir, parce que comme ça s'est fait un petit peu... Au dernier moment, cette émission, je les ai appelés, ils n'ont vraiment pas pu se libérer, c'est dommage, mais une prochaine fois, on les invitera. Ah oui. Ben voilà, la prochaine fois, vous revenez quand vous voyez de la lumière, n'hésitez pas à passer. Allez, on va clore le chapitre des années 30, arrêter avec tous ces trucs ringards et passer à des choses d'aujourd'hui, Amandine. Alors, l'homme de la situation, on c'est a jamais dit ça. Le nouveau titre d'Amandine, c'est un extrait de son album qui s'appelle 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est le studio dans lequel tu habitais, tu habites toujours dans ce studio? Maintenant, j'ai 30 mètres carrés. Wow. Attention, depuis que je vends des disques... Magnifique. Alors, je suis sûre qu'avec ce disque, on va passer assez rapidement à une bien plus grande surface. Je pense dans les 170 mètres carrés, ça ne m'étonnerait pas d'ici peut-être une petite année. Peut-être qu'un jour, tes disques sont vendus dans des grandes surfaces. Voilà, exactement. Amandine qui va chanter « L'homme de la situation ». Il faut y aller. L'homme de la situation qui est un extrait de son album « 20 mètres carrés ». Et Amandine, elle sera en tournée. Jusqu'à la fin de l'année, le 9 février 2010, à l'Alhambra, à Paris. Tu fais qui colle à notre plan. Tu ne devais pas cracher mon cœur dans un tournant. Pratiquer le hit and run sans mon consentement. Et planquer ton courage au fond de la boîte à gants. Tu nous as égarés sur une voie réservée. Rien de ce que tu me fais qui est vraiment catholique. Et les sorts que tu jettes ont déjoué ma logique. Dans un accès de fièvre, parfois je t'imagine. Tu plonges dans la chair d'une poupée Amandine. Des bouquets d'épines sous le nombril où la douleur se fait intime. Je le savais, je le sentais, tu n'étais pas l'homme de la situation. Non, je le savais, je le sentais, tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh. Dans tout ce que tu me dis, tu dépasses l'entendement. Tes plans sur la comète nous perdent dans le néant. Je rêvais que dans la nuit, ton étoile s'illumine. Pour guider ma navette à l'abri des périls. T'es nébuleuse, mais tu déclines. Ta lumière fut, ainsi soit-il. Je le savais, je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Ah non, 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 je le savais. Je t'avais laissé une liste sur la porte du frigo. Tu ne devais pas faire de notre idylle un fiasco. Attendre le dernier acte pour dévoiler ton complot. Tu devais m'avouer tes crimes monopolisés. La ligne, je trempe mon fragile dans tes combines. Et des idées noires, j'en ai plein la machine. Je trempe mon fragile dans tes combines. Je nettoie ton linge, le sale et le clean. Je le savais, je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Non, 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 je le savais. Je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh, 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 oh. Je le savais.
tu n'étais pas l'homme, but you were not the one for my situation. Tes lumières furent aussi subtiles. Amandine Bourgeois, l'homme de la situation, extrait de l'album 20 mètres carrés. Merci à tes musiciens de t'avoir accompagné aujourd'hui. Et puis, Amandine, je ne sais pas si tu t'en es aperçue, parce que je ne sais pas si tu entendais ça avec tes retours « Va t'asseoir », mais tu as été accompagnée aussi de deux guitaristes qui ont été les hommes de la situation sur ce coup. C'est Yves et Thomas qui ont joué et qui ont accompagné. Merci. Merci Amandine, et puis donc bientôt sur scène, hein ? Oui. Ça a commencé, alors qu'est-ce qu'il y aura sur scène ? L'album. Et puis... L'album sur scène, ouais, l'album je vais scène. Mettre l'album sur scène et, toi, et puis voilà. Te cacher derrière. Et les gens vont regarder, tu sais. Non, en fait, il y aura, y a une tournée qui se profile, ouais. Et donc je suis très très impatiente. Tu n'es pas la seule à être impatiente. Et puis ça va être une tournée, j'ai envie que ça soit le show, qu'il y ait un côté voilà, live, rock'n'roll, et on y va quoi. Je vais sauter dans la foule. À pas bouger, hein. On a du mal à rien faire quand elle chante. Ouais, c'est vrai, hein, on a envie de l'accompagner comme vous l'avez fait d'ailleurs. Alors maintenant, Amandine, spécialement pour toi, parce que je sais que tu aimes les vieilles chansons françaises, on va accueillir quelqu'un qui a soufflé ses 80 bougies le 1er avril. Et c'est pas une blague, mais franchement, quand on le voit, on n'imagine pas que ce soit possible. Il va fêter ses 60 ans de carrière à la Grande Comédie de Paris. Il a traversé plus d'un demi-siècle de chansons françaises. Il a connu Brassens, Brel, Piaf, Trainé. Merci de lui faire un triomphe. C'est Marcel Hamon. Ça va les jeunes ? Ça va. Alors, les petits jeunes ? Marcel qui fête ses 80 ans et qui a fait la fête toute la avec nuit. Avec ses cheveux blancs, il frime là, tiens, ouais. Tiens. Plus blanc que ça, tu connais ? Marcel, vous avez fait la fête toute la nuit et vous n'avez plus de voix aujourd'hui, vous m'avez dit en j'ai arrivant. La voix attention, complètement. Il n'y a plus de voix. Je me suis réveillé ce matin à 3h, j'ai pas parlé comme ça. Mais ils vont vous aider pour chanter. Alors vous publiez un livre de souvenirs où d'accord. Vous racontez tout ce qui s'est passé dans cette vie de chanson. Et pas je tout, sais non. Vous aviez une fan, en tout cas, je sais pas, vous allez peut-être nous dire tout aujourd'hui, c'est Marlène Dietrich. Elle était fan de vos chansons. Oui, oui, j'en suis très flatté. Ouais. Mais enfin, elle n'était pas tout à fait de mon âge. Alors, juste préféré que ce fût Françoise Hardy, par exemple, ah ouais. Qui figure dans mon livre. Absolument. Ah ouais. Oui, et avec son fils, la relève est là. Voilà. Et là, Thomas vient dans vos bras et dit « Papa !» Voilà, voilà. Très bien. Alors, donc, j'espère que je vais recouvrer un peu de ma voix. Oui. Alors, d'ailleurs, alors voilà, on va voir. On va tester la voix sur le Mexicain. Ça me paraît une bonne idée. C'est un des grands tubes. On démarre sur le Mexicain. Allez, on démarre là-dessus. Attendez, allez. Soyons fous. Attendez, il faut que je fasse ça, comme ça, d'abord. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Non, non, vous savez, les vieux, ils ont leurs habitudes. Ah, il ne faut pas les brusquer. On va y aller doucement. Non, mais je trouve qu'il est très, très branché, quand même. Voilà. Vous êtes prêts, les mecs ? Je pense que Yves va aider un peu. J'ai plus de voix. Pour mettre l'ambiance, Thomas. Oui. 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 Ils le font bien, hein. Oui. Bendita la madre que te parió. C'est de l'espagnol, t'inquiète pas. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. En guise de parasol. Ah, ah. T'as vu ça un peu? Je suis surpris de ma tessiture qui ce matin a été réduite à deux notes. En 57, vous avez fait la première partie de Brassens, c'est ça? Oh, ouais, 58, et depuis, je naissais à peine, je m'en souviens peu. Non, c'est vous vrai, êtes resté amis par la suite. Et oui, et Georges m'a fait le cadeau incroyable de me donner une chanson qu'il destinait à son propre tour de chant d'ailleurs. Oui, mais un jour, vous avez écouté cette chanson
Il a dit, tu la trouves bien, ben je te la donne, je l'ai faite pour toi. Ah, ça c'est formidable. Ça, c'est formidable. En réalité, il mentait, c'était un mensonge pieux, parce qu'il avait écrite pour lui. Et j'avais des emmerdes à ce moment-là, ça n'allait pas. Et c'était pas du genre de dire, ah, oh, mon petit, non, il m'a dit, je te la donne. Voilà. Et c'est quoi cette chanson? Chapeau de Mireille. Ah ouais, ça fait comment? Chanté d'ailleurs, surtout par Yves Duteil, parce c'est que... Ah oui, alors. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel bon vent qu'il a me chippé. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre Sète et Marseille, quel joli vent l'a me chippé. C'est pas le Zéphyr, t'aurais pu suffire, c'est pas lui non plus, là qui n'en joue plus, c'est pas pour autant longtemps, non mais c'est le plus fol et le plus magistral de la bande à Éole en amour. Il me l'a fait connaître aussi dorénavant, je ne vaux plus mon blé qu'à démouler avant. Elle est dure à chanter celle-là, hein, faut y aller. Là. Il joue bien de la guitare, eux. Oui. Et je ne chanterai pas que ça à la Grande Comédie. Hein. Ça, ce sont les chansons qui ont fait de moi ce qu'il est convenu d'appeler une vedette populaire. Mais il y aura des chansons très musicales à l'ancienne. Hein. Des chansons qui font 4-5 minutes, je ne peux pas vous les chanter ici. Alors, il y aura la Grande Comédie, il y a le livre aussi pour découvrir tous ces souvenirs que vous racontez dans le livre. Et puis, je ne peux pas vous laisser partir sans The Tube, Bleu, Blanc, Blond. Oh là là, alors à l'époque, c'était une innovation. C'était en 1959, 60, 62. Toi, tu as fini de me contredire. Vous avez entendu cette chanson. Attendez, Jacques, il connaît mieux votre vie que vous-même. Mais c'est vrai, hein, ce garçon est épatant. Ce garçon, vous devriez le garder, il est pas mal du tout. Moi. Oui, alors, ce qu'il y avait de la chanson et du chocolat. Alors, voilà. Au début... Ça se faisait pas, ça, en soi. J'avais fait l'enregistrement de toutes les voix et les gens trouvaient ça tellement extraordinaire que c'était maintenant, samplé, tout le monde en le fait. Hein. Maintenant, tout le monde le fait, ouais. Allez, envoyez-moi la... Vous allez voir. Ça, c'est moi, là. C'est moi, là. Quel talent. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau blanc qui danse. Blanc, blanc, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Il y a avec une boîte comme ça. Oui, c'est gentil. Bleu, bleu. Merci en tout cas, Marcel. Vous pouvez lui faire un triomphe parce qu'il est venu chanter dans Shabada alors qu'il a mal à la gorge. Voilà. Il sera sur scène le 15 octobre jusqu'au 31 à la Grande Comédie de Paris. Et puis, vous pouvez découvrir des tonnes d'anecdotes sur la chanson française dans ce livre sur le boulevard du temps qui passe qui est publié aux éditions Christian Pirot. Je voulais dire à Thomas, tu vois Thomas, quand on n'a plus de voix, on peut s'en tirer avec du culot. Voilà. Merci, Marcel. C'est le moment, Amandine, maintenant de parler de l'artiste que tu as choisi de chanter aujourd'hui dans Shabada, c'est Bachung. Alain Bachung, pourquoi? Parce que je l'adore. Oui. J'ai toujours écouté Bachung. La première fois que tu l'as entendu, tu te souviens ou pas? Ou la première chanson? Oui, c'était Madame Rêve. Décidément, j'ai un problème avec des chansons comme... Et pareil, je ne comprenais pas le sens du texte, mais j'adorais, je l'écoutais en boucle, ça me faisait pleurer, et voilà. Le premier tube de Bachung, Jacques, c'était c'est Gabi. Hein. En 1980, mais il a commencé en réalité en 1966. Oui. Et vraiment le premier succès sur scène... Et lui, il avait participé à un jeu concours aussi, un concours de chant. Oui, mais ça n'avait jamais marché, il n'avait pas gagné, personne n'en voulait. Ah oui, d'accord. Et en 1973, il fait la première comédie musicale française, La Révolution française, un disque au Palais des Sports, de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui vont plus tard faire Les Misérables. Et c'est un vrai succès. Et après, il a quelques petits échecs. Et Gabi arrive, Gabi va se vendre à 1 million d'exemplaires. Et récemment, le disque d'or de Gabi a été vendu aux enchère à 2 500 €. Ouais, c'est quand il a commencé à collaborer avec Bergman. Boris Bergman, ouais. C'était un premier grand succès. Ouais. Et Gabi, c'est une des chansons que tu as choisie de Bachung. Je fais mon footing au milieu des algues et des pauvres. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour. Bien que je me mouille. Oh Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh.
Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer, le long, le long, le long des golfs, pas très clair. Et là, on voit encore une passerelle avec une chanson française plus ancienne, puisque c'est Traîner la mer qu'on voit danser le long des golfs clairs. Avant de voir la deuxième chanson de Bachung, je voudrais qu'on regarde, je crois que c'est la première télé de Bachung en 66. Oui, la première télé en 66. Et c'est une chanson, c'est dingue, ça s'appelle « T'es vieux, t'es moche ». Et, oui, et ce disque n'a pas du tout marché, et la télé ne lui a pas fait vendre un disque de plus, un 45 tours de plus. C'est un document. Écoutez le texte quand même, « T'es vieux, t'es moche », c'est Bachung. T'es vieux, t'es moche, t'es seul au monde. Doucement, tu creuses ta tombe. Tu cherches le jour, où est la nuit. T'as de même pas peine finir. Tu t'es acheté une belle voiture de sport pour draguer les filles les soirs quand tu sors. Danse le jerk, le monkey, pour montrer que t'es yeah. Tu les entends rigoler, tu n'oses pas te retourner. T'es vieux, t'es moche, t'es seul au monde. Doucement, tu creuses ta tombe. Tu cherches le jour, où est la nuit. T'as de même pas terre. C'est drôle comme il chantait, il n'avait pas la même manière de chanter. À l'époque, on voulait en faire le Tom Jones français. Ouais. Tom Jones chantait What's New Pussycat. Et lui, il voulait faire le mélange de la poésie et du rock'n'roll, ce que personne ne faisait à l'époque. D'accord. Il était trop en avance sur son temps. Ouais. Amandine, la deuxième chanson que tu as choisie, c'est La Nuit, je mens. Oui, l'album Fantaisie Militaire, qui est un superbe album. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? Bachung, c'est quelqu'un que tu as écouté aussi, Yves ? Non, moi j'ai écouté Bachung d'un peu plus loin. C'est un genre de poésie qui ne m'a pas beaucoup inspiré, mais moi je sens chez Amandine une vraie filiation. Là. Ouais. On sent que ça l'a nourrie quand elle était petite, quand elle a commencé à aimer les chansons. Et en fait, j'ai l'impression qu'on découvre parfois les gens à l'occasion de leur disparition, et je trouve que c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que pour moi, je connaissais mal Bachung. J'ai beaucoup plus écouté Bachung depuis qu'il n'est plus là. Ouais. Amandine, je suis ravie parce que tu as choisi aussi une de mes chansons préférées de Bachung, c'est Osée Joséphine. Ah ouais. Une chanson qui date de 1992, qu'il a écrite avec Jean Fauque, qui était son complice des bons mais surtout des mauvais jours. Et quand il parlait de cette chanson, Bachung disait « C'est un hymne à la joie, c'est le rejet d'une époque frileuse et repliée sur elle-même. » Autrement dit, il rejette les années 80, les années frimes, les années fric. Pour lui, tout ça est terminé, c'est derrière nous, faut aller de l'avant. Je suis le roi des scélérats à qui sourit la vie. Marcher sous l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire venir les chevaux du plaisir. Oser, oser Joséphine. À la nuit, rien ne justifie. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine.
Elle a osé, osé, Amandine. Merci, Amandine. Et merci beaucoup pour cette évocation de Bachung. C'est maintenant le moment de retrouver Alexandra Baldé qui va nous parler des nouveautés de la semaine. Merci de l'accueillir. Alexandra Baldé. Bonjour. Alexandra, alors, quels sont les coups de cœur de la semaine ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du grand coup de cœur de toute l'équipe de Shabada. Il s'agit d'une Québécoise. Vous la connaissez très bien, Amandine, puisqu'elle a Ariane écrit... Moffat. Oui, yes. Exactement. J'ai gagné. C'est elle qui a écrit L'homme de la situation, que j'ai interprété tout à l'heure. Alors effectivement, c'est une artiste à la fois sensible et même piquante. Et puis alors sur scène, elle est complètement survoltée. Elle est en plus multi-instrumentaliste, donc elle passe de la guitare au piano. Enfin, elle arrête en pas. En live, c'est, voilà, c'est un truc de fou. Hein. Faut c'est normal parce qu'elle aussi. Veut tout. Oui, et justement, on va regarder un extrait de Je veux tout. Ariane Moffat. Le vide, je veux le remplir. Avant que mon âme s'assèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses. Le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse. Ton sourire et puis tes fesses. Alors, on reste au Québec. Ouais. Parce que maintenant, je vais vous parler d'une chanteuse qui vient de fêter ses 20 ans. Elle s'appelle Cœur de Pirate. Alors, vous l'avez peut-être déjà vue. Alors, avec sa petite frimousse à la France Gall à ses débuts, avec ses tatouages de pirate. Alors, on est loin des grandes voix du Québec, comme Céline Dion ou Natacha Saint-Pierre. Là, c'est vraiment une voix intimiste. Elle compose elle-même ses chansons. Moi, je classifierais plutôt son album entre celui de Kali et celui d'Olivia Ruiz. Et on va regarder tout de suite un extrait de « Comme des enfants ». Regardez. Et on se prend la main comme des enfants. Le bonheur ou l'œuvre peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore. Et toi tu m'aimes un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. Cœur de pirate, elle sera bientôt à Paris. Oui, à la Cigale. Alors, notez dans vos agendas qu'elle sera le 6 octobre à la Cigale. Voilà, d'accord. Allez-y. C'est noté. Amandine aussi, je voulais remercier Guillaume Soulan qui était là tout à l'heure, qui est ton guitariste et qui t'a accompagné. Merci à lui et merci à tous les musiciens. Et merci à tous les musiciens. Voilà. Yves, de la nouveauté aussi maintenant avec Si j'étais ton chemin, c'est une version acoustique en fait. Oui, de c'est cette chanson. Une nouvelle version qu'on a enregistrée avec les musiciens qui m'accompagnent sur scène, Gilles et Angelo. On a pris tellement de plaisir à concevoir ce spectacle qu'on on a voulu en laisser une trace et on s'est dit que ce serait formidable d'avoir un bonus avec l'album, ouais. Des versions acoustiques. C'est l'album Fragile, avec le DVD aussi. Si j'étais ton chemin, c'est une chanson pour ton petit-fils. Oui, effectivement. Qui est là ce soir. Oui. Et qui va t'écouter chanter. Si j'étais ton chemin, Yves Duteil, extrait de l'album Fragile. Assis près du grand saule au milieu du jardin, comme à tes premiers jours penché sur ton couffin. Quand je berçais tes rêves à la tombée du soir, j'essaie d'imaginer le cours de ton histoire, les lignes de ta main. Si j'étais ton chemin, je me ferais discret dans l'ombre de tes pas, pour t'aider à grandir et pour t'ouvrir la voie. Je serais la poussière qui s'envole à tes pieds, un peu de mon bonheur qui colle à tes souliers. Je t'aimerais au point de te lâcher la main, pour que tu sois le seul à choisir ton destin, à dessiner ta route en puisant au hasard les raisons d'espérer et la force d'y croire. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, construirais des ponts, des tunnels, des ouvrages. J'ouvrirais des sentiers partout sur ton passage, pour que tu puisses aussi t'écarter quelquefois des pistes balisées qu'on a tracées pour toi.
t'apprendrai les mots pour soigner les blessures, les signes éparpillés le long de l'aventure, pour te montrer le nord quand tu te crois perdu, les silences attendris de ceux qui ne sont plus, mais qui tiendraient ta main si j'étais ton chemin. J'irai cueillir ton rêve au plus fort de la nuit, le planter dans la terre et l'inonder de pluie, de lumière et d'amour au soleil de midi, pour que tu rêves encore chaque jour de ta vie. Je ne t'épargnerai ni le temps ni l'effort, pour que tu sois debout devant les coups du sort, solide et résistant face à l'adversité, riche de ton courage et de ta liberté. Et je déposerai quelque part une pierre pour te laisser t'asseoir, offrir une prière à tous ceux dont l'histoire t'a mené jusque-là, et pour ceux qui suivront la trace de tes pas. Si j'étais ton chemin, si j'étais ton chemin, et nous serions semblables aux bulles de savon qui font la route ensemble et puis qui se défont dans le même courant, chacun de son côté, mais sans aucun désir au fond de s'éloigner. Je m'effacerai comme un sentier se perd, en refaisant parfois le chemin à l'envers. J'aurai le sentiment d'avoir rempli mon rôle, et je m'endormirai à l'ombre du grand saule, où je berçais sans fin le début de ta vie, au-delà des bonheurs partagés en commun. Saurais-je alors enfin j'étais ton chemin. Yves Dutheil, merci pour cette version acoustique de Si j'étais ton chemin, qui est dans l'album Fragile. Merci à tous d'ailleurs, trois albums à découvrir. Celui d'Yves, bien sûr, celui de Thomas, comme un manouche sans guitare, et puis celui d'Amandine Bourgeois, 20 mètres carrés. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, d'autres artistes feront Shabada. Pascal Obispo, Sylvie Vartan et Grégoire seront mes invités. Vous pouvez retrouver la rediffusion de Shabada juste après Ce soir ou jamais, le mardi soir. Et puis, bien sûr, la suite, parce que je sens que Thomas va continuer là avec de la musique et de la guitare. Donc, la suite sur le site de France3.fr. Merci à tous. Dans quelques instants, Julien Lepers pour Question pour un super champion. Petite, ah vas-y, fais-la un petit peu, prendre un enfant par la main, Amandine, pendant qu'il se règle, comme ça. Donc souvenir de mon enfance, ma première scène, j'étais toute petite, et on était accompagnés par un super guitariste, et voilà, on faisait, avec ma petite voix de petite fille, elle prend un... Je me rappelle. Et tu as choisi. Je vais couper au montage. Hein, je... Non, 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 pas du tout. Allez, une petite bossa. La vie sans toi, le cœur à l'envers, c'est l'eau sans la mer. Merci beaucoup. Merci à tous.